Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Assassin's Creed Unity. On se retrouve avec Killer qui vient de mourir comme un con. Et moi, Dragon. Mais je sais pas si j'ai envie. Ouais, allez, on va aller déclarer. Ma boule a disparu. Piouf, pouf. Disparu. Bon, on se retrouve pour cette vidéo. Je vais vous montrer la meilleure arme à épaule du jeu. Enfin, les deux meilleures armes, parce que t'en as une aussi qui est pas mal, mais personne ne le sait. Elle est un peu spéciale, c'est le tromblot. Oui, cette arme est très spéciale, j'ai pas encore acheté, mais Mike m'a dit qu'elle est pas mal. Mais bon, faut bien réussir à la manier. Elle est pas facile à manier et c'est l'une des meilleures. Mais là, et comme celle-là, celle que j'ai dans les mains, c'est une des meilleures armes à épaule du jeu. Comme mon pote a. Vas-y, montre-leur ton tromblot. Regarde, tu vois, je joue pas ton âge, mon pote, je t'ai dit le tromblot. Voilà, comme vous pouvez le voir, vas-y, sors là de ton. De son écuisson là. Hein? Mike! Attends, j'arrive pas à la faire sortir, Bah, t'appuies sur carré. Oui, bah. Regarde, même sur ce carré, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, bah voici à quoi ressemble le tromblon. Voilà. Voilà, cette arme elle est plutôt pas mal. Elle est très puissante. Ce gros calibre, je vous dis, c'est super. Bah alors là, on se... Et là, je vais vous montrer. Regardez, personnaliser le personnage. Je vais tirer. Attends, pas tout de suite. Arme. Non, tu montreras quand on fera la mission parce qu'on va leur montrer leur puissance. Là, voici le tromblon. En fait, il est puissant. N'oublie pas ça. En fait, il est un peu. Il est un peu cheaté ce fusil. Et lui, celui que j'ai, le mousquet à plaquage en argent, il est pas mal, il est vraiment cool. Et pour l'améliorer, ah, ça coûte 10 000 quand même. Oh, allez, je vais l'acheter, il a l'air classe. Le tromblot. Hop, une petite amélioration. Oh, je suis à 100 000, c'est pas possible. Oh non, j'ai eu peur. Bon, j'aime. Ouais, allez hop, on va l'améliorer. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Et là, maintenant, on va faire une mission pour vous montrer la puissance de ces deux armes à épaule. Super cool. Donc voilà. Et là, nous nous trouvons encore avec un padoué. Autant dire le mot. Bon, maintenant, Mike. Petit insolo, tu vas m'écouter. Non. C'est comme ça qu'on fait d'abord le saut de l'ange. Non. Non, je préfère mourir qu'être avec un débile comme toi. Ok, bah autant le dire, hein. Si t'as envie de crever, bah crève. Hein. Bon, j'ai pas envie de faire capoter la mission autant que tu viennes, toi, petit Renoir. Ah, mais chier. T'as de la chance qu'on est dans une mission parce que sinon je t'aurais laissé crever. Non, il nous voit pas. Si, il nous voit. Bon, je vais encore mourir. Voilà. Tag, voilà. Voilà comment on s'y prend. Ah, ouais. Je vais derrière toi en fait. Oh, plus deux. C'est bon, gère. Attends, c'est un mec à la fenêtre. Je crois que. Tu vois, je suis pas à l'aise avec cette arme. Putain. Mec, je crois qu'on a déjà fait cette mission, mais je suis pas sûr. On l'a déjà faite. C'est pas celle de la dernière mission. Si, hier. Oh putain, j'aurais préféré qu'on change. Ah, des ennemis. Tu vois? Oh ouais, merde, c'est dans les catacombes. C'est dans les catacombes. Oh, ça me fait chier. Pas que c'est pas chiant, mais. Eh bah, salut! Et t'en es les exterminés, mon pote!
Bon, on va faire. Heureusement qu'on l'a fait différente. Dis-moi, t'es pas descendu, j'espère. Non, je suis pas encore descendu. Ah, j'ai l'encul. Moi, tout ce qui est pointu, ça m'intéresse, moi. Ah oui, comme ma... Non, je vais pas aller plus loin. Ok. Oh, piche. Qui es-tu pour aller là? Mais comment? Putain, j'ai trouvé un putain de spectre. Yes, coup fatal. Je viens de faire la fête au... Je viens de faire la fête au... Bah... Au pen... Au gitan. Oula. Oh putain, je ne l'avais pas vu. Boum, headshot, mon pote. Vas-y, je suis un fire, mon pote. Personne ne peut m'arrêter. Il faut un extincteur. Oh, ton foire, il m'a tué. Viens me réanimer. Mec, je suis pas sûr que c'est la même mission parce que je crois qu'il faut rentrer dans l'église en fait. Ah bah non, je viens de trouver. C'est ici. Ah, je suis tranquille sur mon lit. Ah. Mike, survie. Si tu survis pas. Oh, viens, on rentre par là. On n'est pas encore rentré par là. Ouais, mais viens m'aider aussi là. Bah c'est bon. T'inquiète pas, je vais te réanimer. Hop, voilà, t'as vu? Hop, par la pensée, qu'est-ce que tu vas faire là? Oh mec, ils ont... Ah, je reconnais quand même, les ennemis, ils ont un peu de la classe. Hein. Ils tuent leurs ennemis en plein cœur. Je trouve ça, de la... ils ont de la classe quand même. Hein. Bah, mais en fait, tu peux venir, mec. Ah, ils... Oh putain, pourquoi je suis allé? Et en fait, là, je me plantis, mec. Au revoir. Et je vois rien en plus. Mec, je suis où là? Je suis même pas. Ah, c'est en bas en fait. Ah. Hop, c'est bon les enculés, mon fils de pute! Surprise, motherfucker! C'est bon, il les a eu. Bon. Il faut un extincteur! Pourquoi t'es trop on fire là ou quoi? On fire. Ah oui, ça c'est sûr. Il se passe des quoi là? Il se passe de quoi? Oula, mec. Oh putain, j'y vois rien ici. Bah t'es comme moi, tu crois que j'y vois quelque chose? Dans la merde. Fumigène. Mais. C'est comme les ninjas. Derrière toi. Ouh, je vois rien, moi. C'est pas ça, mais je vais mourir. Voilà, merci mec. Alors et tu vas me laisser. Mais qu'est-ce que je vais. Alors reviens à la vie. Et maintenant. Bon, t'as tes conneries ou je te tue? Et maintenant. Ça, c'est le truc des Renois, ça. Il faut toujours des coups de pute. Et maintenant. Ah merde, attends, faut que je choisisse en fait. En fait, la prochaine fois, je te laisserai bien mourir quand tu demanderas de mon aide.
Bon. Bon, on se casse. On vaudrait mieux se casser. On doit faire quoi là? Ouais, c'est barré. Oh merde. Oh merde. Ah quoi? Putain, maudit poteau là. C'est où les escaliers? Comment dire, j'ai un peu tiré la merde. On a intérêt de se casser vite fait. Moi, ouais, je monte un bâtiment, mais voilà, tranquille, au calme. Tu vois, voilà. Mais casse. Aïe, mon queue. Mon queue. Y'a rien demandé, mon queue. Salut, les gens. Ah. Et moi, je me suis enfui. Ah, putain. Un atterrissage. Voilà, tranquille. Ouais. Bon, bah, vous a montré la puissance des armes à épaule. Bon, faut savoir aussi qu'il faut bien savoir les manier parce que sinon après on l'a dans le cul. Hein. Mais t'inquiète pas, ton voleur il va être hors de portée le temps que j'ai plaqué le voleur. Non, moi je plaque pas les voleurs, moi je les tue les voleurs. Hop, un voleur mort. Ah, c'est dommage. Ah. Quand c'est un voleur, non, là, c'est un voleur. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu as tué ou quoi? Attends. Ah, mais j'ai plus de muni, je comprends mieux. Tant pis, j'utilise mes lames fantômes. Il est où ce voleur? J'ai tué avec ma lame fantôme. Ah merde. Ah, fils de pute là. Voilà, c'est bien, rajoute plus une balle, c'est bien. J'atterris. Oh, j'avais même plus. Voilà, hop, en même temps. Tac. Bon, voilà. Attends, viens, monte sur un toit, c'est pour éviter de chercher la merde. Donc voilà, on vous a montré la puissance des armes à épaule. Faut savoir que c'est super précis, mais quand je vous conseille de faire des trucs. Quand vous êtes par exemple à plusieurs, je vous conseille, il y en a un qui se tape l'épée ou lâche, et l'autre qui se tape le fusil arme à épaule, vous voyez, il reste sur les toits, il les snipe et tout. C'est ce que j'aurais dû faire avec lui. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, alors je vous dis que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et mettre et à vous abonner. Vous voyez, mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Notre prochaine vidéo avec avec moi et Killer, on va peut-être vous montrer la meilleure hache qu'on a. Et Fer, c'est quoi ton âge déjà? Ah ouais, j'ai entendu parler celle-là, c'est l'âge des gros balles mercenaires et des français, et apparemment elle est aussi un peu cheatée. Et je sais même pas si je l'ai. En fait, t'as deux armes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Hop là. Dépêche. Est mort. Ah non, t'as de la chance. Bon bah voilà, alors comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors je vous dis à plus et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de Assassin's Creed Unity. Alors comme Mike disait, vas-y dis. Si vous voulez voir les deux dernières vidéos, allez sur la chaîne de Dragon. Ouais, notre chaîne s'appelle Dragon X18 pour l'instant, mais on va changer de nom. On pourra vous dire comment on s'appelle. Elle s'appellera The Dragon Killer Gaming. Dragon Killer Gaming. Voilà, on a 32 abonnés pour l'instant, on s'en sort bien. Et on espère augmenter, vous voyez, parce qu'on atteint au moins, allez, on espère aller jusqu'à la moins fin de l'année. On espère mettre entre les 40 et 50 abonnés. Ouais, et on fera aussi des petits trucs sympas sur GTA Online. Ouais, des petits affrontements d'extermination, voilà. Donc, ouais. À plus. Allez, ciao les potos.